vient de reprendre. Spinner n'a, semble-t-il, pas récupéré. Horde en profite et se jette de nouveau sur lui. Ses adversaires n'est pas de taille aujourd'hui face à Horde. Spinner n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est pathétique, c'est grandiose. La foule ne comprend plus et n'apprécie pas. Horde est diabolique. Il a déjà battu un record, il veut le battre encore. 1-3-5 bien passé. 1-3-5 bien passé, suivez la vitesse. 1-3-5, ça marche, pas de panique, on va y arriver. C'est l'Alali, c'est monstrueusement impressionnant. Alors, tu me l'apportes, mon 3-5 bien passé? Je t'apporte ça tout de suite. Puis à moi. D'accord. Bah, il est mon 5-8. Vite, allez, donne. Tu percutes, Spinner. N'abandonne pas. Bats-toi. Ce point est à Orne. Le score est maintenant de 2 pour Orne et 0 pour Spinner. Spinner se bat. Laissez le mec. Respecte son adversaire. Mon bras. L'étonné. Laissez le bras. Dit Orne. C'est un champion, oui, aimé du public, absolument. Mais est-ce un combattant sportif? Moi, je vous répondrai non. Afin d'harmoniser le rapport entre les espèces, la reine, le système Espace Handicap 3000, les festos handicapeurs équilibrent les forces de chaque combattant pour rendre la compétition encore plus attractive. Orne a un désavantage de 0,25. Ça va, Spinner? Au prochain round, je l'extermine. Qu'en penses-tu? Il peut continuer?
Il a perdu beaucoup d'hydrolène liquide, mais je peux remplacer la puissance. S'il n'y a que cette solution, tente-la. Bien, patronne. Weasel ? Est-ce qu'il m'aurait sauté bonbon au plutonium ? Weasel, où es-tu ? Weasel ! Je suis là, maître Rogor. Écoute-moi. Oui ? Feu vert. À vos ordres, maître. Et voilà, que puis-je pour vous ? Où est mon 3-5 humanoïde ? Ah ben, je peux pas aller plus vite que la zizique, hein. Alors, Cookie, ça vient, ce 3-5 ? Tu dors ou quoi ? Sick. Toute la dose dans son bras droit, mon garçon. Allez. Pas prise. Hélène, ce soir, il va dérouiller. Enfin, ça y est. Voilà, messieurs, voilà. Tu nous as oubliés. On va s'énerver. Mais je n'ai que 4 × 5 doigts, hein. Poussez-vous! Pousse-toi, toi! Je vais te tuer, Todd Ferraille! Qu'on arrête ce fou furieux! Mais on joue à quoi, là? Je ne comprends pas! Gardez votre calme, restez assis. Rien ne justifie la panique. Unité de contrôle des foules en position. Tribune d'honneur, 40 tours, portée. Que se passe-t-il ? Le commissaire Jans est demandé dans la galerie. Queen ! Nous n'avons pas du tout perdu ce combat, c'est une idiotie. On nous a trompés. Orne est un animal, il n'a rien à faire dans l'arène. Allez-vous porter plainte auprès de la commission ? La commission ? Quelle commission ? Où est le commissaire Jans en ce moment ? Va-t-il sanctionner ce genre de brutalité ? Dépêchons, dépêchons ! Alors ? Écoute, les bleus, ça ne peut plus durer maintenant. Eh, hey, vous mangez ça tranquillos ou vous vous barrez. Faut pas me parler sur ce ton. Papa ! On a raté le combat à cause de ce bon à rien. Bon à rien ? Écoutez-moi bien, face de tétard. Vous êtes mal élevé et vous puez le vieux Macron. Lâchez-moi ! Je ne pensais pas ce que je lui dis. Les gosses de ma planète apprennent la politesse. La dernière fois que j'ai vu une tête comme ça, c'était aussi. Tu es un terrien, hein ? Ils se battent encore ! Vous les arrêtez, traitez la vie ! Ça va dégénérer ! Attention ! C'est de plus en plus fréquent, ces compressions, c'est insensé. Bon combat, hein. Message au personnel du restaurant 21. Vous violez les clauses de votre contrat d'engagement. Par conséquent, vous êtes licencié sur le champ. Eh, ben où est-ce que tu vas ? Je viens de découvrir une chose. Ah oui, laquelle ? La cuisine, c'est pas fait pour ma pomme. Oh bah, tu n'es pas le seul dans ce cas. Ça va, papa ? Elle doit souffrir. C'est incroyable. Tu as vu comme je l'ai vu. Excuse-moi pour cette petite querelle. Tu n'as frappé personne, Shorty. Je sais, mais si je n'avais pas ouvert mon clapet... Écoute, parler n'est pas un crime. Allez, oublie ça. Je ne peux pas oublier ça. Je suis un nébulite. Et alors ? Mais t'as été cloné hier ou quoi ? Les nébulites n'oublient jamais. Je dois te rendre ce service pour l'honneur. Mais t'oublies ça, je te dis. Non, mais attends, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Je peux t'aider, moi, tu sais, sans travail, sur ce vaisseau. Tu cours le risque d'une déportation pour vagabondage. Hé, hey, la ferme ! Déguerpissez-vous là !
Shorty, ça m'irait très bien d'être déporté. Ce vaisseau m'ennuie. Je veux rentrer sur Terre. Parfait. Bah, comme ça, je paie ma dette en t'aidant à partir. Entrée invalidée. Contactez le gardien. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Wise. Mémoire, entrée invalidée. Je suis pas sourd. Excusez-moi. Mon crayon-barre doit sûrement être en panne. Votre crayon-barre est frappé de nullité. Mais pourquoi ? Je voudrais bien comprendre. Vous avez perdu votre emploi et le solde de votre acompte n'est toujours pas versé. Non, ça, c'est pas possible. Et si, désolé. Où est-ce que je vais aller dormir, moi, maintenant, hein ? Je sais où, mon grand. Suis-moi. Mets la pression ionisée en système base. Oui, d'accord, je mets en système base. Tu peux y aller. Non, ça n'ira pas. Conclusion ? Vous ne pouvez pas réparer ? Il n'y a plus du tout de fréon. Ces demi-circuits sont brûlés sur phase, comme les arrivées d'huile. Je suis désolé, Spinner, mais les combats, c'est fini pour toi. Non, plaisante ! Il faut juste un micro-relais. Enfin, mais tu te rends compte du prix que ça va coûter ? Pas la retraite ! Pas la retraite ! Non, ne t'inquiète pas, Spin, on ne te laissera pas sur la touche. Compris ? Compris. Peut-être qu'on aura de l'argent quand Vang aura gagné les quarts de finale. Quinn, je suis blessé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Altaria, voilà ce qui s'est passé. Écoute, pourquoi dormirais-tu par terre puisque chez moi, il y a un bon lit douillet ? Alors, je suis pas l'idiot. Congoligène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. Contrôligène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. Voilà. C'est ici. Tu veux que j'entre là-dedans ? Hein ? Je ne voudrais surtout pas te déranger, Allons, Shorty. Allons, après ce que tu as fait pour moi, après vous. D'accord. Vas-y. C'est la descente aux enfers. Oh, mais non. Il fait sombre, dis donc. Oui, ça repose les yeux et l'esprit. Ah, oh, prudence, prudence. Il manque des barreaux. Il en manque beaucoup. Ah oui, la maintenance vient quand elle y pense, c'est-à-dire jamais. Tu vas passer le premier. Oh, pas de problème. J'ai été pompier sur Nébular quand j'étais jeune, non. Tu veux me rendre un service ? Ah, ouais. Bien sûr, j'ai une dette envers toi, tu te rappelles. Justement, avec ce que tu fais là, tu ne me devras plus rien. On sera quitte. Oh non, je ne veux pas que tu me laisses m'en tirer aussi facilement. En vérité, c'est ce que je craignais. Eh bien, allons-y, Rookie. Bienvenue dans mon univers. Mais où on est ici ? Bah, dans les circuits souterrains. On m'en avait parlé, mais je pensais pas que ça existait. Comment ça que ça existait ? Je vais te dire une bonne chose, mon petit. Beaucoup de gens n'ont aucun autre endroit où aller. Ah, Marcus ! Oh, mais tu portes les vêtements de Wendell ? Wendell nous a quittés ce matin. Oh, poumons explosés. Ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Lui était le plus grand des gladiateurs. C'était une légende. Courage, mon ami, courage. Hé, hey, Shorty, c'était Marcus Diablo. Oui, en personne. C'est lui le dernier humain champion, mais c'était il y a au moins 50 ans. Et tous ces gars ont été des combattants. Oui, mais avant, le jeu, ça avait un sens. Maintenant, c'est n'importe quoi. Oh, j'aurais bien voulu faire partie de l'équipe. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu en as le niveau, hein ? Tu plaisantes.
J'ai regardé toutes les retransmissions des combats de Marcus. C'était encore du sport à son époque. Ah, être acteur ou spectateur, ce n'est pas la même chose. Non, non, attends. Tu ne sais pas tout sur moi, Shorty. Je suis un combattant, j'ai fait le circuit humain. J'étais même classé parmi les meilleurs. J'ai fait le rêve qu'un jour j'irai peut-être combattre dans l'arène. Les vrais combattants n'ont plus leur place ici, tu comprends. En tout cas, pas les humains, ça, on en est sûr. Ah, c'est par ici. Je comprends pas. Puisque tu travailles, pourquoi tu vis ici? Non. J'avais du travail. Et j'envoie tout mon argent à la maison, à ma famille, sur Nébular. Alors comme ça, tu es un homme de Nébular? Exactement. Combien tu as d'enfants? J'en suis à 27. Tu en es à 27? Pour d'une pipe. J'avais fermé à clé, ça j'en suis sûr. Attends. Je vais voir. Ça va, je le connais, tu peux le lâcher. Mais c'est qui ce musclé? Il n'aurait pu casser mon crâne, tu te rends compte? Comment es-tu entré ici? Le crâne sait tout faire, coquin. Écoute, j'ai un coup fumant sorti un super coup, tu en es? Lui, il peut en être aussi. Qu'est-ce qui t'amuse, le rire moqueur? Écoute ça, tout est prêt. J'ai plombé le câble 12, moi et mon cerveau, on a un super plan, sorti un super plan, je te dis. Pour faire quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour manipuler le combat, bien sûr, et à nous la fortune, Shorty! Entre chez toi, crânien. Allez, rentre. Monumentale erreur. Tu fais une monumentale erreur. Quand je serai riche, tu pleurnicheras. C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, allez, au revoir. C'est ça le problème. Dans les conduits souterrains, tu vois, il y a beaucoup trop de malades. C'est pas si mal que ça, ton chez toi. Ah, tu vas dormir ici. Et toi, tu vas dormir où? Ah bah, tu es mon invité. Moi, je vais m'arranger. D'accord. Bon, alors, je crois que maintenant, on est quitte, tous les deux. Certainement pas, loin s'en faut. Bonne nuit. Douce lune briquet la nuit pour éclairer les fêtes des oiseaux de nuit. Douce lune. Tu sais, Shorty, c'est pas si mal ici, dans le fond. C'est ma meilleure nuit depuis une semaine. Comment tu les veux, tes œufs? Les œufs sont trop chers pour nous, on est au chômage. Oh, t'inquiète pas, mes amis sont bien placés, ils nous trouveront du boulot. Ah, c'est sûrement le crâne. Je vais ouvrir. Ne lui fais pas de mal, hein? Il est gentil, ce garçon. Steve Armstrong? Oui. Hé, hey, on se calme, hein? Hey, arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais arrêtez, voyons! Viens me battre la terreur. Vous êtes fou, arrêtez! Non! Mais bon sang, quoi? Allez faire ça ailleurs, bon rien! Ne cachez pas tout! J'ai mis des décennies à réunir ce matériel! Des décennies! Ça suffit maintenant, laissez-le, hein! Je vous en prie, je vous en prie! Hein. Non, attends, je veux le finir, laisse-le-moi. Comme tu voudras. Ah.
c'est pour Vank. Et qui c'est, Vank? Arrêtez-le! Mais arrêtez-le! Attention, derrière toi! Derrière toi! Viens, je t'attends. Alors c'est vous. C'est vous qui avez corrigé Vank. Mais qui est ce Vank? C'était cette tête de thon au restaurant. Oui, eh bien en fait, je comptais sur lui. Pour quoi faire? Pour faire l'imbécile? C'est un de mes combattants. Pour tout dire, c'était l'un de mes meilleurs combattants. J'ai entendu parler de vous, mais sans vous voir, je ne pouvais pas le croire. Vous comprenez, un terrien qui peut se battre. Vous avez déjà pensé à la reine, Steve? Ah, pas lui, patronne. Vous échouerez. Ça n'est qu'un humain. Qui vient de te punir. C'était aussi un combattant hors pair, notre ami Vank. Je suis désolé, mais combattre dans l'arène, c'est pas pour moi. Plus maintenant. Avant, je vivais, je m'entraînais pour ça. Mais quand je suis arrivé il y a un an, je n'ai pas pu franchir la porte. Et je vais vous dire une chose. Maintenant, je sais ce que c'est. C'est un Niara. Ça pue. Alors, veuillez rappeler, vous deux, putois de service, et remontez vers votre surface. Attends, ne pars pas, Lucky. Attends, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Mademoiselle Quinn, dois-je comprendre que vous seriez éventuellement prête à proposer ce qu'on appelle un contrat? Je n'en sais rien encore, mais c'est possible. Un combattant humanoïde. Personne ne le croira. Ça suffit. Viens, les œufs sont en train de refroidir. Hé, hey, petit, tu sais quoi? Il n'y a pas que tes œufs qui pourraient refroidir. Je vous prends à laisser 10 jours avec une option sur 1 an. Marché conclu? Conclu. Je peux donner mon avis. Je veux mon billet pour quitter ce vaisseau, mais je ne veux pas le gagner en étant corrompu. Je n'organise pas mes combats de cette manière, monsieur Armstrong. Tant mieux. Organisez-les comme vous voulez. Mais alors, sans moi. Steve. Bien, Wayne. Pourquoi tu ne veux pas me dire où tu m'emmènes? Ne t'inquiète pas. Bon, tu as un petit peu d'argent? Oui, juste 2 ou 3 billets de 20. Ouais, c'est pas grand-chose, mais on s'en contentera. Une seconde, qu'est-ce que tu vas en faire? Écoute, Steve, tu as perdu ton job, tu t'es pris de bec avec Quinn, et je doute qu'avec cet argent, tu quittes notre nébuleuse sans parler de ton retour sur Terre. Tu es donc coincé, mon petit. Fais-moi confiance. Amène-toi. Pardon, patte de chauve-souris. Badalou, bébé. Et un bagadou. Oufio, cabotou d'alors. Et bonsoir. Alors, c'est pas génial ici? Ah, je me sens vaine ce soir. Shorty, je n'ai plus que ça comme argent. Je sais, et c'est pas grand-chose. Mais dans 1 heure, ce sera multiplié par 10. Attends-moi ici, je reviens. Puis-je jouer, s'il vous plaît? Je vous en prie. C'est gagné. Vous rejouez. Sur ma nébuleuse, jouer 2 fois au même jeu porte la guigne. Voulez-vous rejouer pour moi? Oui, bien sûr. Encore gagné. Vous êtes mon porte-bonheur. C'est mon jour de chance. Bien, on a une table de Bilox et ça rapporte gros. Hey. Pas maintenant, Shorty, je suis occupé, tu vois bien.
Et écoute, garçon, d'abord on s'occupe de faire notre business, ensuite on fera les jolies queues. D'accord. Excusez-moi, vous restez encore un peu ici? Tant que je n'aurai pas perdu, je resterai. Je dois y aller, mais je vais revenir. Est-ce que tu l'as vu? Steve, tu cours les filles ou tu veux gagner ton ticket de retour? Si tu m'avais dit ça il y a 5 minutes, attends, peut-être regarde que je t'aurais... Ça. C'est mon tour, hein? Servi. Les jeux sont faits, monsieur. Fait et bien fait. Mais Shorty, pourquoi tu n'en as pas misé que la moitié? Je veux bien, mais ce sera deux fois plus lourd. Retournez vos cartes. Regardez-les et commencez à pleurer. Les gains vont à la banque. Une autre partie? Oui. Tu devrais peut-être demander deux cartes. Non, je mise tout de suite. Ah, la banque met 10 Kruger plus 10. Couche-toi. Pas question, il est foutu. Je vois. Retournez vos cartes. Et... Les gains vont encore à la banque. Désolé. N'est-ce pas toi? Faut pas rester ici. Vous êtes en état d'arrestation. Qui c'est celui-là? C'est le commissaire Chance. Viens, allez, on s'en va. Vite. Si vous contestez votre arrestation, vous êtes passible de condamnation. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Cherchez pas à fuir. Cherchez pas à fuir. Dépêche-toi, fiston. Oublie cette fille, elle est bien. Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu les as pris? Rendez-vous dans une heure au bar la lune. Tu vas tout droit, c'est pas loin, tu verras. C'est... Pourquoi je m'acoquine avec un ébullite, moi? Salut, alors comment va? J'en suis à ma quatrième chope, Shorty. Oh, fais attention, c'est dangereux, tu sais, cette bière, c'est un explosif et elle a beaucoup de pouvoir. Oui, je sais. Mm-hmm. Ah, surprise. Un aller simple pour la Terre, Shorty. Dis juste merci, ça suffira, mon garçon. Merci, Shorty. Bon, alors maintenant, on est quitte. Maintenant, on est quitte. La gosse, Pat. Alors, j'ai réfléchi à la proposition de Queen en ce qui te concerne... Écoute, Shorty, je ne veux plus entendre parler de Queen. Mais enfin, tu peux faire un essai. Si tu n'aimes pas, tu laisses tout et tu pars. Tu as ton ticket de retour, mon grand. Non, je ne veux pas. Tu es doué, naturellement. Oui, il y a longtemps que je n'ai pas vu un humain doté d'une telle rapidité de bras, de déplacement. Shorty, j'ai dit non.
Très bien. Allez, buvons deux ou trois bières, mettons un petit peu de musique en l'honneur de ta dernière soirée sur ce vaisseau. Merci pour le ticket, en tout cas. Non, on n'en rajoute plus. Hein. Je n'en sais rien, c'est un produit importé de la planète Blint. Ah. Continuez à regarder, ne bougez pas. Préparez-vous à vous servir de votre arme. Pas de panique. Essaye pour voir. Maintenant, vous allez vous lever et sortir doucement, compris? Ouais. Allez, debout, dépêchons, debout. Allez, on porte un tour. À notre rencontre, santé. On se dépêche. Arrêtez, arrêtez. Arrête-toi, Luminus. Les mains en l'air. Je veux toutes les mains en l'air, Nébulite. Et toi, tu n'as rien d'autre de planqué. Bon, allez, on y va. En route. Baissez les mains, vite. Oui, merci, très bien, merci. Allez, avancez. Plus vite. Ouais, bonjour, ça va? Bonjour. Avancez, pas de gestes brusques, avancez. Ça sent-tu, maître Rangin? Savez-vous qui je suis? Non, pourquoi, vous non plus? Ce n'est qu'une galéjade, maître Rangin. Il est ivre mort. En tout cas, ça me met de meilleure humeur que vous tous ici. Ça suffit maintenant. Lequel de vous deux m'a volé mon argent? C'est vous? Oh, là, je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire, maître Rogor. Voyez-vous... Weasel ne supporte pas du tout les menteurs. Qui serait un menteur? Allez, viens. Je pourrais t'exploser la cervelle s'il le fallait. Weasel, s'il te plaît, de la pondération. Messieurs, je vais vous expliquer clairement de quoi il retourne. Je veux récupérer mon argent. 532 000 Kruger. Tenez. Attention. Sors-les doucement, très doucement. Prenez ça, et on sera quitte. D'accord? Non, ce billet n'est pas remboursable. Et il n'est que d'une valeur de 350 000 Kruger. J'ai dû en envoyer un peu sur Nébular, alors... Écoutez, je vais trouver l'argent. Donnez-moi 24 heures. J'ai de l'estime pour vous. Je vous donne 12 heures. Si vous ne respectez pas ce délai... Vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Je reviendrai, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Pas encore. Weasel? Assieds-toi. Quand les 12 heures seront écoulées, commence à lui couper les doigts, un toutes les heures. Ne vous faites pas de soucis, maître.
Je sais exactement ce que vous voulez. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est Steve Armstrong. Il est 3 heures du matin, qu'est-ce que vous voulez? Je sais. Vous recherchez toujours un combattant? Et hop, mince! Plus 5 et je veux voir ton jeu sortir. Il va falloir payer pour voir. Plus 50, tu suis? Regarde ça et sors ton mouchoir. J'ai 4 en Nova. Oh! Mais quelle bagarre! 2 ou 3 mains comme celle-ci, et on n'aura plus à attendre le petit. Non, je plaisante. Maître Rogor! Il est occupé. Le petit est là, prévenez-le! Alors? Tout est là. Bon, le petit et moi sommes attendus pour affaire, alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, eh bien, nous partons. 532 000 Kruger en moins d'une heure. Vous devriez travailler pour moi. Merci, mais j'ai déjà du travail. Mesdames, messieurs, jamais un combat comme celui de ce soir n'aura suscité autant d'engouement. Pour la première fois depuis 50 ans, depuis le règne du roi Marcus Diablo, un être humain va combattre dans l'arène sacrée. De l'eau, de l'eau. Maître, regardez. C'est le terrien. Spectateur chéri, dans un instant, vous allez assister à un match de... Voilà comment il a trouvé les Kruger. C'est un combattant. Pas limité. Les prétendants à la victoire sont Steve Armstrong, le terrien, contre Sloth, le protaréen. Vous êtes prêts, ça y est? Oui. Ne vous inquiétez pas pour sa taille, il subira un handicap, c'est la règle, d'accord? Vous allez voir, vous en aurez pour votre argent. Début du match dans 5 secondes. Messieurs les combattants, au milieu de vous. Ça va, c'est vivant. Steve Armstrong combat en force équilibrée. Sloth a un handicap de 0,2. Allez, courage, Sloth. Bien. Ce fils de grenouille! Ah, tu vas les rouiller! Ah. Armstrong out, point à Sloth. Il est bien évident qu'aucun être humain n'a le niveau pour cette grande compétition. Nous en avons la preuve ici ce soir. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment un combattant. Vous avez bien raison, c'est un désastre. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez où vous êtes? Non, rappelez-le-moi. Très drôle, si vous perdez encore, il n'y aura pas d'autre humain champion avant 50 ans. Vous êtes
Vous êtes vraiment très encourageante. Bon, c'est vous qui devez diriger le combat. Ce que vous avez fait avant, faites-le à Slot, compris? Quand tu t'es approché de lui, il s'est mis tout de suite sur la défensive. Si tu arrives à toucher son sonar, tu pourras le vaincre. Oh, il a raison. J'essaierai de m'en rappeler quand il voudra m'étrangler. Vous voulez gagner ou perdre? Je crois. Gardez votre souffle pour vous battre. Tu vas voir le travail. Tu vas regretter. Ah ah. Allez, tu vois cette sauterelle en plastique? Pas près de lui. Écarte-toi. Allez, Steve. Je vais te refaire le portrait. Allez, viens, brise-le. Courage. Slot out. Point à Armstrong. Le score est de 1. Bien joué, Steve. Voilà comment il fallait faire. Il est nul, ce terrien, ça se voit. On peut dire qu'il a de la chance, c'est tout. Ceci est purement incroyable, mes amis. C'est absolument inimaginable. Qui aurait pu penser que Steve Armstrong pourrait tenir si longtemps et peut-être l'emporter? Avance sur lui. Il n'a pas l'habitude de se battre contre quelqu'un d'aussi rapide. Allez, hop. Reprise. Plus fort, plus fort. Mise. Je commence à m'ennuyer. Allez, sonne-le, allez, Steve, allez-le. Allez, détruis-le. Il va lui briser le cou. Vous êtes fou, c'est un match de l'arène. Il a encore une chance. Je fais arrêter le cou. Oui. Adieu, petit terrien. Ouais, 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 allez, allez, frappe-le. Ouais, 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 ouais. Mesdames et messieurs, jamais dans ma très longue et brillante carrière, je n'ai vu de début aussi explosif. C'est fabuleux. Il a une telle puissance au bout de ses poings, un tel talent. Un débutant, oui, mais d'abord un terrien. Alors serait-il peut-être le concurrent, le porte-drapeau que la race humaine attend depuis des décennies? De quoi j'ai l'air? Tu devrais voir la tête de l'autre, ça te rassurerait. Tu as fait une démonstration magistrale. Je sais, oui, je me sentais des ailes, Shorty. Ouais. C'était un peu bizarre au début, tu vois. Ouais. Mais après les deux ou trois premiers coups, l'adrénaline est montée. Hey. C'est l'arène qui m'a fait cet effet. Et je n'avais jamais ressenti ça avant. Bien. Et maintenant, tu abandonnes tout pour rentrer sur Terre, hein? J'ai fait ça pour avoir de l'argent et te sortir du pétrole. Oui, je sais, mais... Vous, dehors. Il reste ici.
l'exploration. Bravo, Armstrong. Vous êtes plein de surprises, dirait-on. Veuillez préciser votre pensée, Rogor. Vous ne m'aviez pas dit que vous combattiez. Étais-je obligé de vous prévenir? Excellent ce que tu dis là, n'est-ce pas, maître? L'épaule gauche sortie, elle est un peu engourdie. Vous avez été impressionnant dans l'arène ce soir. Vous pourriez atteindre des sommets avec un bon manager. J'ai signé chez Queen. Non, j'ai dit avec un bon manager. Renseignez-vous donc. Personne n'intègre le circuit du championnat sans Maître Rogor. Alors je ne serai jamais champion. Armstrong, que cela vous enchante ou non, vous allez travailler pour moi. Personne n'a d'ordre à me donner. Du calme, du calme. Je vous en prie, messieurs. Feriez peut-être mieux de vous en aller avant que la milice occulte n'arrive. Renseignez-vous, Steve. Oublie ça, viens t'asseoir, je vais te masser. Allez, assieds-toi, Viston. Laisse tomber ces petits magouilleurs. Steve, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu repartais sur Terre? Parce que ce n'est pas sûr. Comment ça? Je ne sais plus. Il s'est passé des choses ce soir. Ah oui? J'ai pu affronter un adversaire dans l'arène et je peux gagner. C'est vrai que Rogor doit magouiller, mais je ne suis pas son serviteur obligé. Bien dit. Il paraît que plus aucun humain n'a le cran de se battre dans l'arène. Mais je vais te dire, Shorty, moi je l'ai. Oui, je sais. Et je peux y arriver. Oui, je sais, je sais. Tu es avec moi? Ouais. Alors, le traquion dit au récolteur d'algues, si tu dis que c'est ta fille, on devrait voir son esquilateur fibre corollaire de synthèse. Et la dernière pour ce soir, c'est une question. À quelle époque a-t-on inventé le compte à rebours? J'adore ce comique, il me tue. Je n'ai pas tout saisi. Ah, vous avez la tête ailleurs, alors? Je pourrais rester toute la nuit, mais il faut que j'y aille. Une salve d'honneur pour les musiciens, et rappelez-vous bien, j'ai horreur des applaudissements. Ah. Écoutez, je vais parler aux journalistes sportifs là-bas. Un peu de publicité, c'est bon à prendre. Surveillez le champion pour moi. Vous avez un long chemin à faire avant cela. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je veux que vous fassiez attention. Je pense que vous serez champion, mais je veux que ce soit à ma manière. Vous comprenez? Queen, comment peut-on dégager autant de douceur et être aussi dur à la fois? D'ailleurs, comment avez-vous commencé dans les combats? Mon père a dirigé une écurie de combattants. Vraiment? Il y a longtemps? C'était autrefois. Il s'est occupé de nombreux humains à une époque. Et Marcus Diablo fut son dernier champion. Ah, il avait une passion pour l'arène. Ensuite, Rogor a débarqué et le sport est devenu commerce. Il écœure les autres. Mon père en est mort. C'est ainsi que j'ai récupéré Spinner et quelques pièces d'argent sans le mode d'emploi. J'aimais mon père et j'essaie de poursuivre au mieux son rêve. Steve Armstrong! Le nouveau combattant terrien! Je vous ai vu démolir Slug dans l'arène. On ne voyait que votre beauté, n'est-ce pas, chérie Nounet? Vous êtes jaloux, chérie Nounet? Laisse tranquille! Ah, les groupies du dimanche, elles sont collantes. Salut. Comment ça va, mon pote? Oh, le champion. Oh, regarde qui est là. Salut. Bonjour, salut. Ouais, dites bonjour à Horn, le champion, le super champion. Ah, c'était un beau combat, j'avoue. Ce guerrier est très prometteur.
prometteur, il l'a expulsé du ring. Tu sais, Rogor, à ta place, moi je me méfierais. Tu es peut-être en face du nouveau champion. Excusez-moi. Je voudrais vous présenter Jade. Jade Steve Armstrong. Il me semble avoir déjà parlé de lui. Mais nous nous connaissons. C'est exact, mon porte-bonheur. Je suis ravie de vous rencontrer, mais je vous prie de m'excuser. Je vais bientôt chanter. Son porte-bonheur. Alors, t'es le nouveau poulain de Queen, le concurrent humain? Ça, t'étais vieux et fatigué. Ne crois surtout pas que tu pourras te battre contre moi dans l'arène. Je suis le grand Horde. Je suis le champion. Bientôt, tu seras un ex-champion. Si tu veux te battre, on peut commencer ton... Réserve ça à tes fans. À quoi bon t'exhiber puisque le public va payer pour te voir? Attends, je vais la regarder. Je sais, mais je leur ai dit qu'on viendrait et qu'on viendrait à l'heure. Alors maintenant, en route. Et excusez-nous, mademoiselle, mais nous, on a un travail important qui nous attend. Alors on se voit demain. Toi, tu t'amènes. Bonsoir. Je vous verrai au gymnase demain matin. Oui, d'accord. À la première heure. Allez, doucement, il y en aura pour tout le monde. Allez, allez. Hé, hey, tiens, toi. Hé, hey, tenez. Hé, hey, servez-vous. Ah non, je suis désolé, j'en ai plus, moi. Attends, tu veux emporter ça, hein? Tiens. Ah non, mais chacun son tour, hein. Et ne revenez pas deux fois. Sinon, les derniers n'auront rien du tout. Oui, c'est ça, oui. Hey, sorti. Oui, champion. Combien ça me coûte, cette distribution? Les gains d'au moins 100 combats. Ah, mais trop. Silence, s'il vous plaît. Je vous demande un peu d'attention. De la part de tous ceux qui sont ici, reçois en cadeau ma médaille de champion, en témoignage de notre estime. Marcus, quel honneur tu lui fais. Ils sont débiles. Tout d'abord, je vous remercie. Mais je ne peux vraiment pas l'accepter. Je n'ai rien fait pour la mériter. Une seule victoire. Vous avez combattu 50 fois avant de la recevoir. Vous étiez le meilleur. Tu nous as redonné espoir, mon garçon. Et tu vas encore combattre de nombreuses fois. Nous te demandons de tous les tuer. Vive Armstrong ! 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 Armstrong
dirait qu'il s'amuse bien, ce chien. Pour l'instant. Ça me plaît de travailler avec Maître Rogan. Tu vas me servir d'assurance, touriste. L'atmosphère est électrique. On sent la foule prête à bondir. Oh, indirectement toi de Armstrong. Le King Chaos debout. C'est une victoire sans problème. La foule reconnaît son héros et l'acclame. Armstrong en est à sa quatrième victoire. Oui, c'est bien mon grand. C'est la déroute pour Malkan. Victoire par abandon de Armstrong. Ce garçon serait invincible. Tout y passe. Des crochets, des directs, des uppercuts. Armstrong est complet et expéditif. Il devient maintenant le lutteur de haut niveau. Ses adversaires le craignent et commencent à l'éviter. Bien sûr, commissaire. J'espère que vous êtes d'accord. Comprenez-moi, on me presse de... Oui, oui, je comprends. Il y a une somme considérable en jeu. Je dois donner au peuple ce qu'il demande. Oui, monsieur le commissaire. Alors vous fixez une date, maître? Ah, si vous croyez qu'il est prêt, je m'en occupe. Franchement, on n'a pas le choix. Ce sera un grand match. Oui, commissaire, ce sera un grand match. C'est parfait. Au revoir. Monsieur le commissaire m'oblige à trouver un opposant de valeur à Armstrong. Nous devons faire quelque chose, maître, n'est-ce pas? Je veux dire, si le bel Armstrong battait Horn, vous n'auriez plus la main mise sur le championnat. Il ne battra pas Horn. Mais si ça arrivait... Écoutez, maître Rogor, j'ai mis un plan au point avec le crânien. Là, vous allez l'aimer. Vraiment, vous allez l'aimer. Et peut-être même que vous me laisserez le contrôle des paris quand vous aurez compris. Quel est ce plan? Qu'est-ce que tu as encore mijoté? C'est ce que... J'ai découvert un moyen d'entrer en phase 3 sur le système espace 3000 en surchargeant de 50 000 radiocables réfrigérants qui est à l'intérieur... Ça suffit, Skull, ça suffit. Écoutez, maître Rogor le crânien, il veut juste dire qu'on peut agir sur les deux faisceaux handicapeurs. Personne n'y était arrivé jusque-là. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible. Personne n'a jamais réussi à pénétrer cet ordinateur infernal. Maître Rogor, si vous ne contrôlez plus les combats du championnat, vous ne contrôlerez plus rien du tout. J'ai mon plan, moi aussi. Maintenant, toi et ton squelette crânien, déguerpissez. Maître Rogor... J'ai dit dors! Allez, plus vite, allez. Voilà, c'est bien. Oui, oui, très bien. Redresse-toi. Bien joué. Mais rentre-lui dedans, n'aie pas peur. Allez, plus vite, Steve. Allez, viens, 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 mon petit. Bloc, bloc, mais qu'est-ce que tu fais? Sur tes jambes. N'approche-toi, Zazou, frappe-le un peu. Ça va, on arrête. Respire un peu, Zazou. Encore un round. Juste un, pour ne pas décevoir ce nombreux public. D'accord pour un autre round, Zazou? Hé, hey, copain, je continue de me battre comme Horn, ou je me bats comme Horn. Hé, un mot de plus, mon petit Zazou, et pas de décès. Allez, mon vieux, au boulot. Énerve-toi. Allez, il faut te forcer. Je ne veux pas que vous perdiez trop de force au gymnase. Vous inquiétez pas, c'est pour avoir le titre. Allez. Ça ne craint rien. D'accord. Ouais. Ça y est, Steve. Tu as bien mis mon protège-dents. Allez, Steve, plus mobile sur vos jambes.
Mais enchaînez, enchaînez. Allez, à genoux. Allez, à genoux. Mais réveille-toi, Zazou. Esquive, rotation. Ça, c'est du combat, bon sang. Mais frappe plus fort. Allez, Zazou. Vous vous déconcentrez, Steve. Travaille-le au corps, Steve. Vas-y, quoi. Attends. Allez, relève-toi. Viens, petit gars. Avance. Bravo, Zazou, bravo. Ça va? Ouais. Merci de ta coopération, hein. Super, Steve, super. Ah, ça se présente bien. Ton protège-dent, merci. Il faut être plus précis avec votre droite et enchaîner plus souvent gauche-droite. Allez, viens. Allez, tiens, tiens, mets ça, mon vieux. Viens t'asseoir. Aide-moi à enlever tout ça, Shorty. Il faut travailler les combinaisons et les déplacements. C'est votre point faible, ça. Vous écoutez, au moins. Oui, oui. Oui, 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 bien sûr. Ah, vous m'écoutez. Pas de problème, je ferai attention. Allez prendre un bain ionisé pour que vos muscles ne se contractent pas. J'ai dit, je ferai attention. Mais... qu'est-ce qu'il fait courir comme ça? C'est l'amour, à mon avis. Jade? Oh! Jade! On pourrait peut-être se voir. Ça me changerait les idées. On pourrait... comment dire, se distraire, se détendre. Si je ne pense pas à autre chose, je suis moins bien sur le ring. Ah! Et c'est moi qui dois vous faire penser à autre chose? Oui. Dans mon appartement Prestige, ce soir. Bonsoir, Steve. Je vous en prie, entrez. Magnifique, votre appartement. Merci. Je suis contente que vous l'aimiez. Je vous demande de m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps de me préparer. Vous êtes tout aussi ravissante comme ça. Merci de votre délicatesse. Buvez quelque chose en m'attendant. Oui, merci. Le bar est juste ici. Faites comme chez vous. Comment voyez-vous ce combat, Steve? Je le vois comme vous. Demain soir, à cette heure-ci, je devrais être champion. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Il vaut peut-être mieux que je me lève. Ce sera plus facile. Oui, si vous le dites.
tu oublies ton combat. Ça, c'est mon problème, d'accord? Que c'est? Je veux porter un toast au futur champion. Tu sais, normalement, je ne dois pas boire. Steve, c'est pour te porter chance. Alors, que s'est-il passé? On n'aura absolument pas à se fatiguer ce soir. Ne serais-tu pas tombée amoureuse de lui? Armstrong? Non. Jade? Jade? C'est incroyable! Le Grand Horde n'a pas suivi la tradition qui veut que le champion monte le dernier sur le ring. Je suis invincible! Ah, je ne peux pas croire une telle chose. Le combat sera annulé s'il ne se présente pas. Rogor n'est sûrement pas l'étranger à cela. Il n'y est pour rien.
Mettons-le sur la table, vite. D'accord. Non, ça va. Mais où étais-tu passé? Sans importance. Aidez-moi à me préparer. Le prédiode. Mon pouls est très lent. Apparemment, il ne souffre de nulle part. Ça va, je vous dis. Je n'ai rien. Ne bouge pas. On l'a drogué. Je vais chercher le médecin. Oh, Steve. Il ne peut pas se battre dans cet état. Je ne peux pas me battre. Ah, mais doucement, mon garçon. C'est pour un titre de champion, ce combat, Steve. C'est pour ça qu'on a tous travaillé. Alors, aidez-moi. Oh, mais... Oh. Je peux me battre. Ah, non. Doucement. Laissez-moi faire. Je crois qu'Armstrong va décevoir le nombre public de ce soir. Nous voulons Armstrong ! Nous voulons Armstrong ! Nous voulons Armstrong ! Le public commence déjà à s'impatienter qu'on nous dise où est passé le Challenger. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous en saurons plus avec les tests Omega. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il a ? Infection sanguine, comme ça. Oh, on attend depuis 10 minutes. Le public menace de tout détruire. C'est un scandale. Depuis un demi-siècle, Steve Armstrong représente toutes les espérances, toutes les plus folles illusions des humanoïdes. Trimétazine 221 à forte dose. Injection de 3 cc de Cristaflex immédiatement. État critique. Approche stade terminal. Est-ce si grave que cela ? 2 heures de plus et cet homme mourait. On a essayé de l'empoisonner. Il va s'en sortir ? Je lui ai injecté un anti-infectieux puissant. Dans un quart d'heure environ, il ne sera plus en danger. Et il peut combattre ? Il ne sera pas à 100% de ses moyens, mais il peut combattre, oui. Mais je n'en prends pas la responsabilité. Bien. C'est à vous de juger, Quinn. Vous renoncez ? Où est-il, ce trouillard? Où est-il? Calme, tu calmes, alors. Laisse-moi. Je me demande combien de temps ils vont attendre. Qu'est-ce qui se passe? Il a peur de m'affronter, ce jeune prétentieux. On est le champion! Doucement. Ça va, allons-y, merci. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va aller. Laissez-moi seul 2 minutes avec Steve. Pourquoi? Vous aussi, Shorty. Oui. Merci. Oui, pourquoi je... Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir une chose. Quoi? Vous étiez avec qui hier soir? De quoi vous parlez? Avec la fille qui est venue vous voir au gymnase, c'est ça? C'est ma vie privée. Vous êtes mon employé, vous êtes sous contrat. Et j'ai dit, c'est ma vie privée, elle ne vous appartient pas, d'accord? Elle est sous les ordres de Rogor, Steve. Où est-elle? Croyez-vous que ce soit le... Je m'en fous, je la trouverai vous moi-même. Vous oubliez le combat! Le combat, il se passe entre moi et Rogor, et il ne s'en tirera pas comme ça, je vous le dis. Si vous voulez atteindre Rogor, sortez et allez combattre Horn! Et essayez de gagner! Écoutez le public, Steve. Il est venu pour vous voir.
ces gens croient en vous. Et moi aussi, je crois en vous. Alors oubliez un peu Rogor. Faites-le pour vous. Chers amis, écoutez, je vous annonce que malheureusement, le combat de ce soir... Ah, voilà, ça y est, ils annulent le combat. Mais où est-il ? Non, d'une nébuleuse, mais où es-tu ? Je vous présente mes excuses pour ce retard. Le match de championnat que vous attendez tous va commencer. Je lui ai donné le poison. En proportion insuffisante, apparemment. Vous entendez le public ovationner l'humain qui fait son entrée sur le ring, et ce, au moment où je vous parle. Après un léger retard, Steve Armstrong est donc prêt à affronter son adversaire. Whistle. Whistle, monte me voir tout de suite. On est avec toi. Steve, ça va aller ? Ouais. Reste dans mon coin ce soir. Je ne serais pas allé ailleurs. Je suis là, maître Rogor. Le plan du crânien, il peut marcher ? Sur les faisceaux handicapeurs ? Aucun problème, maître Rogor, aucun problème. Alors allez-y. Tout de suite. Weasel ! Mettez le paquet. Comme ça, nous n'aurons plus besoin de nous inquiéter de ce cher Steve Armstrong. Génial, maître. Splendide. Allez, va. On est connecté. Skull ? Où tu es, Skull ? Je suis là, Weasel. Surveille bien le support biphase. Attends, attends. N'en vois rien avant le second round. Il faut que le combat paraisse réglo. Armstrong, bravo! Man 1, bravo! 0.
super, Steve. Il n'a même pas eu le temps de t'encorner. Je suis sûr que tu ressens quelque chose pour ce minable. Je ne ressens rien. Deuxième round. C'est l'heure de l'humiliation. Sam, ne lui laisse pas de répit. Il a l'habitude du handicapeur. Il va se montrer plus hargneux, alors travaille-le au corps. Oui. Montre-lui que tu es un tueur. Les combattants sont en furie. Approche-toi. Exécutez les ordres. Qu'est-ce qu'il y a ? On va bien s'amuser maintenant. Mise en action ! Et viens, approche ! Frappe fort ! Allez, à toi, viens, j'attends. Ne t'approche pas de lui, bon sang. Oh, c'est pas bon sang. Courage, Steve, vas-y, mets-le en miettes. Alors, tu dors? T'as mis ce crochet, papa? Qu'est-ce que tu fais? Allez, hop, debout, faut y aller, Steve! Debout! C'est rien, ça! Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Avec lui. Weasel n'est pas très loin. Ça sent la fouille. J'ai plus du tout de force. C'est un sacré boost. Mais même avec le handicapeur, tu savais que le combat serait difficile. Non, non, le combat, ça va, c'est autre chose. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de force. Je sais ce que c'est, tu es encore malade. Je fais arrêter le match. Non, je ne veux pas, je veux terminer ce combat. Ça ira, patron. Il peut reprendre. Bon. Donne-lui un peu d'eau. Je vais le détruire, ça lui apprendra. 5 secondes avant la reprise. Troisième round, Skull. Il faut le tuer. Les combattants au centre du ring. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais ici, Rabusqué? Tu vas voir. Il va le tuer, c'est une bête. Fais arrêter le combat. Debout. Je t'ai dit. Au point où nous en sommes maintenant. Debout. Debout, Steve, allez, debout. Steve Armstrong doit être... Qu'est-ce qu'il y a? Une surchauffe, je le sens, ça va faire mal. Le handicapeur. 8. 9. Steve se relève. Comptage arrêté. Reprise du match. C'est interdit! 7, 8, 9, 10. Mesdames, messieurs, le vainqueur du match, Steve Armstrong, nouveau champion de l'univers. Bravo, mon garçon! Ah, je le savais! Ouais, Steve! Bravo!
très bon combat. Hé, hey, ils ont essayé de trafiquer les handicapeurs. Tu connais le vieux dicton qui dit ceci ? Quand c'est fini, c'est fini. Et c'est fini. Du titre de champion depuis 50 années. Quant au futur et à ce qu'il réserve à ce jeune homme, personne ne sait rien. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que tant qu'il y aura des Steve Armstrong dans l'univers, il y aura des humains fiers de combattre.